je travaille en l'occurrence pour établir un trail routier avec une signalétique qui commémore les routes utilisées par Lafayette. Alors c'est pas représentatif de la nation. En 1783, il a écrit une lettre à George Washington pour lui demander si George Washington allait prendre des mesures déjà pour abolir, pour affranchir des esclaves. Et cette lettre n'a jamais été... George Washington n'a jamais répondu à cette lettre de Lafayette. Aux États-Unis, il y a cette adoration qui est bipartisane en fait du personnage et qu'on reconnaît comme étant quasiment un père fondateur de la nation. Alors, l'objectif, c'est justement de préparer un moment de célébration de l'amitié franco-américaine sur sol américain en utilisant la mémoire de Lafayette. Je travaille actuellement également sur la mise en place d'événements dans lesquels on aurait des Américains et des Français qui viendraient déguisés en personnages d'époque pour recréer les conditions de la visite de Lafayette.